2006, c'était la campagne de Barack Obama. Eh bien, vous me faites penser à tous les gens qui étaient autour de Barack Obama à l'époque. Pourquoi ? Emmanuel Macron a fait une déclaration dernièrement dans laquelle il déclarait qu'il y avait un déficit d'engagement féminin. Il a raison, on manque de femmes en politique, il faut la parité, c'est vraiment ce qu'Emmanuel Macron souhaite et on espère qu'avec tout ce qui est en train de se mettre en place, il y aura de plus en plus de femmes venant de tout horizon qui feront partie de ce mouvement En Marche pour essayer de faire avancer les choses. Voilà, Coralie, à sa manière, elle s'engage, elle est là au Palais des Sports de Lyon et c'est très important qu'il y ait de plus en plus de femmes avec nous à En Marche pour essayer de faire avancer les choses. Ah oui, non, mais c'était magnifique parce que, un, l'accueil à Montpellier a été extraordinaire, et ça c'est grâce à Coralie, grâce à Sarah, Guillaume, et vraiment une équipe formidable. Je dis tout Montpellier derrière Coralie, moi je suis derrière elle, parce que c'est l'avenir de Montpellier. Aujourd'hui, je pense que je rentre dans un mouvement où on est tous d'accord sur une chose, c'est qu'il faut que les femmes s'investissent plus, qu'elles s'investissent pour leurs compétences, qu'elles soient reconnues. Et je pense que c'est exactement ce que Emmanuel Macron et ce que Coralie défendent. Et donc voilà, je suis à 200% avec vous. On a pu le voir dans le sport, aujourd'hui on a des vraies performances féminines. Tout le monde fait du sport et c'est ça. On est tous réunis sous la même bannière, le sport. Et bien c'est exactement pareil là. On est tous réunis pour changer les choses, pour faire avancer le mouvement.